Parce que non, mais j'ai l'ordinateur du jeudi 25 avril. Je sais pas pourquoi je bloque toujours sur la date. Je vous retrouve. On est en début d'après-midi aujourd'hui. Ce jeudi, ne vous fiez pas hein, à ça. Le temps est nul une fois encore. Enfin, bon, ça va, c'est gris, grisouille et froid. Pas trop de pluie. On a eu un petit peu ce matin, mais là ça a l'air d'aller. Bon. En tout cas, on n'est clairement pas sur un temps de fin d'avril où on peut un petit peu aller vaquer au jardin, etc. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je suis présentement en train de me faire une petite pause café. Et je pense que je vais prendre, il reste des petits cookies que la grande avait préparés là en début de semaine. Donc je pense que je vais en prendre un avec. Gourmand d'un jour, gourmand toujours. Et je me suis installée avec l'ordi parce que j'ai vu deux ouvrages que je trouvais absolument magnifiques et que j'avais envie de me rajouter dans ma liste d'envie, d'inspiration, je ne sais pas trop comment l'appeler. Le premier, bah, c'est un patron qui est sorti vraiment là tout récemment, il y a moins d'une semaine, et c'est un gilet, un cardigan de Suzanne Sommer, Sauce Unite. Je regarde quelle est la... Bon, enfin, toutes les photos sont belles, hein. De toute façon, toutes les photos sont trop belles. Voilà. Un cardigan en brioche. C'est le Ginny. Donc, le Ginny cardigan de Suzanne Sommer, alias Sauce Unite. Et bah, du coup, je suis sur Ravelry pour me le rajouter dans mon petit... dans mes petits favoris. Parce que vraiment... bah, je trouve qu'il est très beau. Alors, les couleurs qu'elle a utilisées, elle a utilisé de la laine de chez La Bien-Aimée, on en parlait hier. Je trouve que particulièrement cette association de gris, rose un peu flashy et un jaune qui serait un peu moutarde, etc. Ça fonctionne tellement bien, c'est tellement beau. J'ai plusieurs projets comme ça dans mes... dans mes favoris, je sais qu'il y a un châle de Andrea Mori aussi qui a, je crois que ça doit être le Satellite, qui a aussi un peu ce type de coloris, et je crois que c'est également des laines de La Bien-Aimée. Et j'avoue que je trouve que ça rend vraiment, vraiment super bien. Bref, je me le mets direct dans mes favoris, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'arriverai à faire un de ces jours, mais en tout cas voilà, il est vraiment très très beau, j'ai bien flashé dessus. Donc, autant le mettre dans les favoris. Le deuxième que j'ai repéré ce matin sur Instagram est... Alors, le deuxième, c'est pas tant le patron que le modèle là en question. C'est sur le compte de Whitknit. Et c'est une proposition que j'ai eue parce que je ne la suivais pas. Sabine Witt, où est-ce qu'elle habite? Eh bien, c'est une Danoise, a priori. Et voilà la magnifique réalisation qu'elle a postée sur son Instagram il y a 3 jours. Alors là, on est sur du vêtement qui a quand même du caractère. Ne serait-ce que pas par la forme, avec des assez grosses manches ballon. J'essaie de voir si j'ai une photo où elle le porte. Oui. Il y a vraiment de grosses manches, ballons, etc. Enfin, voilà. Et puis les couleurs, quoi. Les couleurs un peu harlequin, comme ça. Enfin, c'est une œuvre d'art, finalement, ce pull. Magnifique. Alors, donc là, je vais aller voir sur si j'arrive à trouver cette tricoteuse sur Ravelry. Et dans ce cas-là, je mettrai son patron, enfin, son tricot dans mes favoris. Et en fait, le modèle à la base, donc c'est un modèle gratuit, free pattern exactement, gratuit, qui est sur le site de Phil Colana.
Alors, le nom du patron, c'est Hip to be Square et la designeuse, c'est Popknit. Je vais laisser l'onglet là ouvert et je vous mettrai le lien dans la description. Vous irez voir le modèle au final de base. Alors, la forme, on est exactement sur la même chose. Par contre, il est tricoté en une seule couleur. Pas du tout avec cet effet harlequin. C'est des espèces d'entrelacs de tricot, si j'ai bien compris. Et alors, du coup, en unicolore, c'est très beau. Ça rend pas du tout la même chose, mais c'est très joli aussi. Et puis, bah voilà, le patron est gratuit. Donc, c'est génial, quoi. C'est génial. Je savais... Enfin, en fait, je le savais, mais je l'avais oublié puisque j'avais déjà repéré un patron sur le site de Phil Colonna que j'avais mis dans mes favoris quand je cherchais des patrons sur lesquels je pourrais... Des patrons pour faire de la broderie sur tricot. Et donc voilà, donc je l'avais mis de côté ce patron-là. Donc je savais que Phil Colonna proposait des patrons gratuits, mais j'avoue que je ne m'étais pas forcément posé la question plus avant. Donc je vous mettrai le lien, comme ça vous irez le voir. Il est disponible de la taille 80-90 cm jusqu'à la taille 130-140. Pour des tailles allant de 80-90 à 130-140, il est recommandé avec une aisance positive de 10 cm. Je pense qu'il est présenté avec une aisance positive plus importante que ça sur le modèle et à mon avis, elle l'a tricoté aussi avec une aisance positive plus importante. Je crois qu'il se tricote en aiguille 6 et 5 pour les côtes. Et eux, ils le tricotent avec la qualité Paya. Alors, Paya, j'imagine tenue en double, parce qu'il y a plusieurs références, Silver Shimmer, Gold Shimmer, et un fil de Tilia. Si je dis pas de bêtises, la Tilia, c'est leur... mohair. Et j'ai du mal avec les mots. Donc voilà, deux brins de Tilia, et un brin... Quoi ? Two strands of Tilia et un... Ah, et... D'accord, deux brins de Tilia et un brin de Paya de chaque couleur. Donc ça fait quatre brins en tout. Ok. L'échantillon sur les aiguilles numéro 6. Mais alors du coup, j'arrive pas à savoir si elle tricote avec les 6 ou avec les... Non, le 5, c'est les Twisted Ribs, Stockinette. Donc 15 mailles sur 22 rangs. Ouais, donc... Bah écoutez, j'ai appuyé sur télécharger pour avoir le patron, donc bah il est désormais... Alors, je ne l'ai pas vu sur Ravelry, je l'ai vu que... Mais je devrais peut-être aller chercher si Phil Colonna a une page sur Ravelry, et peut-être que du coup, ça me donnerait ça. Bon, il est très sympa, il a une belle forme et tout ça. J'avoue que le côté harlequin... Minus tous les fils à rentrer à la fin quand même qui doivent être bien enquiquinants, mais ça rend pas mal du tout quoi. Bien oversize et tout. Bon, c'est assez joli. Voilà, donc c'était mes petites découvertes patron du matin que je m'empresse de me mettre dans mes favoris. Et donc bah, voilà, juste pour vous signaler aussi que à tout hasard, Phil Colonna. Je l'ai téléchargé en anglais hein, parce que Phil Colonna c'est une marque danoise si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Et du coup, il est disponible le patron. Alors, est-ce qu'il est en français? Non, il est en danois, en anglais, en allemand, norvégien. Non, pas suisse. Suédois. Et néerlandais et. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que cette langue, désolée. Donc, en tout cas, il est en anglais. Et gratuit. Que demander de plus?
J'ai terminé le petit bonnet, il faut que... Enfin, je vais pas le faire là maintenant. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser avec je ne sais quel tricot. Les enfants sont les trois occupés à faire des devoirs. Les deux filles... Alors, faux. Ma grande s'est avancée ce matin dans ses devoirs, donc elle, elle est libérée de ce qu'elle avait à faire pour aujourd'hui. Alors, je le dis pas trop fort, mais c'est l'enfant parfaite, cet enfant. Elle s'est fait un petit planning de le travail qu'elle avait à faire pendant les vacances pour être organisée, tout ça machin. Donc elle se tient à son planning, elle, bref. Et donc là, comme elle sait que demain on va descendre à Nancy, on va aller faire un petit coucou et à ma mercière préférée et à ma sœur préférée. Bon, j'en ai qu'une seule donc voilà. Et du coup, donc elle s'est un petit peu avancée dans ses devoirs ce matin et elle est en train de faire son fameux bricolage de cartes capteurs Sakura. Je sais qu'elle a filmé quelques images, elle m'a demandé mon téléphone tout à l'heure de faire des images. Donc je ne sais pas, peut-être que je vous insérerai des images, peut-être que je vais aller la filmer un petit peu, voir ce qu'elle est en train de faire. La petite, elle est en train de faire des devoirs depuis tout à l'heure, là, je ne l'entends pas, mais même pas demandé de venir vérifier ou quoi au caisse. Et le grand, pareil, lui, bah, il, le pauvre vieux, il a vraiment beaucoup de travail pour ses vacances, donc bah, s'il veut pouvoir sortir un petit peu, voir ses copains et tout, et il faut d'abord un petit peu travailler. Hop, je remettais mon petit renard en place. Donc, long story short, comme d'habitude, je ne sais pas faire concis, donc les enfants sont en train de faire leurs devoirs. Là, je vais m'installer un petit peu avec mon audiobook de entretien avec un vampire et avec un tricot, lequel? Oh, ma manche pour progresser, ou la chaussette, je sais. Entre les deux, mon cœur balance. Et puis je viendrai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu bah, les avancées tricot et tout ça. Et aussi, j'ai très envie, là tout à l'heure, une fois qu'elles ont fini les devoirs, que j'ai fini mon tricot, on va aller marcher un petit peu dehors parce que je pense qu'on aura besoin de s'aérer. Et quand on revient, j'espère qu'on se monte le puzzle à au moins à 6 mains parce que je pense pas que mon garçon ça l'intéresse des masses et mon mari, ça, bah, de toute façon il est pas là, hein, il est au travail. Mais je pense pas que ça l'intéresse des masses non plus. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Désolée pour tous ces bavardages, misère. À toutes.
vous êtes à plat. Bon, non, vous n'êtes pas tout à fait à plat, mais vous n'êtes pas super en forme hein, quand même. Mince, ça va aller? Vous allez tenir? Je vais essayer d'être moins bavarde que ce matin. Ou vraiment, je ne sais pas, j'avais envie de vous raconter ma vie, c'était pas mal. Alors, c'est le petit point tricot du soir. J'ai fait une pause dans mon puzzle. Mais alors franchement, ça m'a coûté de m'arracher à mon puzzle. J'avais oublié à quel point ça peut avoir un côté totalement addictif comme ça. Ah bah bien, je casse tout, super. Donc c'est un petit peu difficile de s'en arracher, mais je prends le temps de venir vous faire le petit point tricot du soir. Alors, j'avais bel et bien monté mon carré du jour hier après être venu vous voir, mais comme vous pouvez le constater, moi je sais même pas où est mon nez. Ah bah si, ma petite pelote elle est par terre. Comme vous pouvez le constater, hein, clairement ça n'a pas assez avancé. Donc je pense que là, ce que je vais faire après avoir discuté un petit peu avec vous, c'est continuer ce carré. Parce que je le continuerai bien en même temps, mais du coup, je ne vais plus trop vous regarder, c'est peut-être un peu embêtant. Non, puis du coup, j'ai quand même des choses à vous montrer, donc ça ne va pas. Bon, donc, il n'y aura pas de carré du jour, mais... Oh, quoique, la journée n'est pas finie. Je viens vous voir plus tôt que d'habitude, il est 18h50, donc vous voyez comme quoi. C'est pas grave, ça progresse, c'est mieux que rien. Ensuite, une autre chose sur laquelle j'ai progressé, c'est... ma chaussette Cozy Autumn, j'en ai marre de vous la présenter à chaque fois avec les fils devant. J'ai fini les diminutions du gousset. Donc maintenant, je suis en rond, donc j'ai plus de diminution à faire. J'étais déjà en rond avant, mais je n'ai plus de diminution à faire. Essayons de ne pas perdre de maille. Et je suis dans la deuxième répétition du motif. C'est un motif qui se fait sur 12 rangs. Donc je suis sur la deuxième répétition du motif et sur ma première chaussette, visiblement j'en ai fait 7, donc des répétitions, faut que je revérifie quand même, mais 6 ou 7, non je crois que c'est 7 que j'en avais fait, avant de passer aux orteils. Est-ce que j'ai toujours suffisamment de laine? Oui, 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 ça devrait aller. Si par hasard je venais à manquer, je sais pas, je pense que je ferai des orteils un petit peu plus longs sur celle-ci. On verra. On verra. Où est-ce que je suis? Non, je vais pas. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est à l'image de ma journée. Je tricote 5-6 mailles. C'est les vacances et c'est normal en fait. J'ai beaucoup de mal à enregistrer des petits moments dans la journée parce que, en fait, peu importe où je suis dans la maison, il y a un enfant. Un enfant qui rentre dans le cadre, en pyjama, non ça va pas, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Un enfant qui appelle, généralement depuis l'étage pour dire qu'il n'y a plus de papier toilette, est-ce que quelqu'un veut bien lui en ramener? Et moi je suis en train de vous parler, je dis zut, je vais couper peut-être. C'est vrai que depuis lundi c'est compliqué quand même. Donc voilà, hein, on est sur du vlog... pas vraiment vlog, je ne sais pas comment vous le dire, mais j'arrive plus à prendre la caméra vraiment bien dans la journée parce que il y a tout le temps un enfant. C'est normal, c'est leur maison aussi finalement. Donc bon bref, donc je me suis installée toute la journée, j'ai pas arrêté de m'installer pour tricoter, prendre un peu de temps pour tricoter et tout. Maman, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as vu tel truc? Alors, le grand, il est sur son... Il a un petit journal de voyage à faire sur le voyage qu'il a fait à Berlin avant... il y a quelques semaines. Donc voilà, donc... maman, est-ce que... d'accord, ok, je peux t'imprimer ça. Est-ce que... Oui, d'accord. Bon, bref. La grande, elle a... bien entamé son bricolage. Donc je sais pas ce que je... Oh oui, vous avez vu, elle a commencé à taillader dans son polystyrène.
Il y en avait partout dans sa chambre, il y en avait partout sur elle, il y en avait... Mais cette enfant, décidément, voilà, elle a absolument tout nettoyé. Je veux dire, j'en connais d'autres qui auraient, je ne donnerai pas de nom, qui auraient mis beaucoup de bazar et qui n'auraient pas forcément nettoyé derrière eux. Elle, elle a absolument tout nettoyé une fois que c'était fini. Moi, j'étais passée aussi un petit peu avant pour donner des petits coups d'aspirateur, mais tout ça fait que le tricot n'avance pas trop, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Et voilà, et la petite, bon, elle a eu... Voilà, je ne l'ai pas vue, entendue de la journée. Entre ses devoirs, ses jeux avec ses chevaux et tout ça, je ne l'ai point vue. Ses chevaux, alors ses chevaux en figurine, hein, pas, nous, n'imaginez pas que nous avons des chevaux dans la maison. Hein. Donc voilà, hein, un rang par-ci, un rang par-là. Le seul truc finalement qui a bien avancé, c'est le petit bonnet. C'est le petit Good Sport. Hier, je ne vous ai pas donné la designeuse. Danny Sunshine, je vous remettrai le... C'est un patron payant, j'ai pas regardé si c'est dans plusieurs langues, mais en tout cas en anglais, il est pas en français. Par contre, c'est très très simple, hein. Franchement, il y a vraiment rien de compliqué. Je vous donne sans trop dévoiler, quoi, mais vous montez le nombre de mailles qu'il faut pour la taille que vous voulez tricoter. Vous faites le nombre de centimètres qu'il faut en côte 1-1 semi-torse. Puis, vous faites vos petites rayures en changeant tous les deux rangs. Et juste sur les côtés, il y a une petite fantaisie avec des mailles glissées, quoi. Donc, quand c'est du blanc, vous glissez les mailles là. C'est le même principe sur le châle, un châle que j'ai tricoté de Bérangère Caillot, je crois bien, l'hylophile. Est-ce qu'il ne s'appellerait pas le Linéa? J'ai envie de dire ça, mais je ne suis pas tout à fait sûre de moi. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout difficile. Quelques petites diminutions en haut pour donner cet effet. Alors, bon oui, c'est un peu dommage, il faut encore que je rentre tous les fils. Là, c'est un peu... Qu'est-ce que j'aurais de rond? Une grosse pelote? Elles sont pas vraiment rondes. Ça, je vais essayer avec ça. Je vais essayer avec un truc. Une pomme en amigurumi. Une pomme amigurumi de... que j'ai réalisée il y a à peu près 500 000 ans. Je sais plus du tout qui c'était la designeuse. C'est un des premiers projets... crochet que j'ai fait, je le garde là, mais voilà, à mon avis ça va être un peu petit quand même, mais bon, c'est pour voir si on voit l'effet si on voit l'effet petites oreilles. Hey, pas mal, et pas mal. Bon, alors effectivement, hein, c'est trop petit. Mais ceci dit, vous vous rendez un petit peu compte. Oh, ça va être trop chouette. Oh, super. Ça rend drôlement bien. Alors, ça rend bien. Donc, une fois de plus, hein. J'ai trop de choses. Le truc est un petit peu petit. Il est où, mon renard? Cette fois, je suis obligée de me lever. Oh. Oh. Alors, oui, dommage qu'il y ait tous ces petits fils, là, hein, mais... Ben ouais, ça va être fun. Parce qu'en fait, voilà, je voulais... Rester donc dans les mêmes coloris. Je voulais pas, vous avez été plusieurs à me donner des petits modèles avec des motifs de renards. Je voulais pas refaire encore des renards. Mais je trouve que là, du coup, les petites oreilles, eh ben, ça rappelle le petit renardo. Donc, trop bien. Ah, je suis hyper contente. Ça va être super sympa. On pourrait faire comme si c'était une fausse tête dedans. Non, on peut pas. On peut pas. Oh, trop sympa, ça rend hyper bien, donc je suis très contente. Donc bah écoutez, je vais rentrer les fils, laver et faire sécher à plat, parce que je pense pas qu'il y ait besoin de blocage. Alors bon, là clairement la pomme elle est trop petite, hein, pour une petite tête 18 mois, mais ouais, hein, trop petit, mais il faudrait pas non plus que ça devienne beaucoup trop grand. Oh, c'est vraiment trop chouette. Alors,
Je vais rentrer les fils, je vais laver ça. Et puis, bah, nous restera qu'à prendre un petit livre pour chacun des petits gars. Et go, quoi. Logiquement, la maman ne passe pas du tout par ici. Donc, je suis à peu près tranquille. Je peux vous montrer tout. Je suis hyper contente. Impeccable. Bah écoutez, on est bon en tricot. Vous avez vu, j'ai commencé ça ce matin. Bah écoutez, pour l'instant, ça a l'air très bien, très prometteur. Je suis contente de changer un petit peu d'univers. J'audiolis toujours mon entretien avec un vampire. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pas non plus réussi à progresser énormément, mais je pense que je suis largement à 60-70% de mon audio lecture. En revanche, alors non, c'est pas en revanche, mais je continue à lire le premier tome des Seven Sisters et je pense que je de Lucinda Riley. Ouais, je crois que c'est ça, Lucinda Riley. Et je pense que je vais pas, enfin si, je vais continuer et terminer ce premier tome, mais je vais pas poursuivre dans la série. J'avoue que j'ai pas accroché, enfin j'accroche pas plus que ça. Je suis à plus de 70% de lecture aussi, donc je sais pas comment vous procédez vous, mais moi, soit je commence le livre et vraiment dans les premières pages je me rends compte que c'est pas du tout pour moi, j'aime pas du tout le style d'écriture et tout ça, et dans ce cas là j'arrête, voilà, je passe à autre chose. Là, alors je peux pas dire, je suis pas accrochée, j'ai pas accroché du tout quoi. Je trouve que c'est divertissant, ça se suit bien, mais l'intrigue est pas pour moi suffisamment, enfin ça me donne pas envie d'y revenir. Je trouve que les histoires, les romances, que ça soit... Parce qu'on est sur plusieurs temporalités. Et en fait, les deux romances, la moderne et la plus ancienne, je les trouve... je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les personnages. C'est un peu attendu. Alors peut-être qu'après, parce que vous avez été vraiment plein à me dire que la série vous avait beaucoup plu. Apparemment, il y a 8 tomes. Là, pour l'instant, j'ai pas envie. J'avoue que j'arrive péniblement à la fin du bouquin. Enfin, à la fin, pas encore. Hein. C'est 70%. Ouais, je suis pas. Voilà, ça m'a pas hypé, on dit, mais non. C'est pas ça le mot que je cherche. Désolée. Hein. Déjà, vous voyez qu'en français, déjà, les mots me viennent difficilement. Mais alors. Faut pas m'en vouloir, hein. je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais des fois même les mots, le mot assiette, je peux l'oublier par exemple, enfin c'est un peu triste, hein. Les enfants sont continuellement en train de terminer mes phrases, mais je pense que c'est parce que je fais trop de choses, j'ai trop de choses dans la tête en fait. L'explication c'est ça. Ça ne peut pas être la vieillesse, je n'ose y croire. Ça ne peut pas être ça. Bref, donc je vais terminer mon tome 1 des Seven Sisters sur le Kindle. Mais je pense pas continuer la série. Et je vous dirai une fois que je serai un petit peu plus avancée dans ce body language de A.K. Turner ce qu'il en est. Voilà, le début à l'heure prometteur. Ça m'a fait bizarre de repasser à de la lecture en français. Ça faisait vraiment très longtemps, je pense, que j'avais pas lu en français. Donc... Et ben voilà, je pense que du coup ça va être une lecture plus fluide et plus rapide. On se retrouve dans 2 mois, j'en parlerai peut-être encore. Je devrais pas m'avancer comme ça. Demain, nous allons faire un petit tour à Nancy, comme je vous le disais. L'objectif numéro uno pour moi, en passant chez ma petite Sandrine, c'est de trouver, je sais d'ailleurs ce que je vais prendre, c'est de trouver une laine contrastante, mais ça serait la laine principale pour aller avec ces deux couleurs. Alors celle-ci ressort pas très très bien là, peut-être mieux, ah beaucoup mieux comme ça, beaucoup mieux comme ça. Donc ça c'est de la Javol, le coloris 385 de chez Langyarn, et ça c'est la Arweta de chez Phil Colana coloris 278. Je cherche maintenant le coloris principal. J'ai déjà repéré d'ailleurs ce que je voulais en réalité. C'est de la Javol que je veux prendre aussi. Et d'ailleurs, très drôle, Sandrine poste une photo avant-hier, je crois bien, de son mur pour donner les horaires de la mercerie.
Elle pose sur Instagram une photo de son mur de Javol et je lui dis, tu sais quoi, je viens vendredi et je viens prendre ce coloris là qui est au milieu, si c'est bel et bien le 007. Et elle regarde, elle me dit, mais oui, c'est bel et bien le 007 et donc c'est celui que j'ai repéré, que je vais prendre pour faire les Anis Socks de encre violette. Et c'est un modèle qui m'a été fortement inspiré par Delphine Salidoum sur Instagram, qui vient de se tricoter une paire quasiment dans ces coloris-là. Hein, vraiment quasiment. J'ai tout pompé. Voilà, donc je n'ai pas monté la paire de chaussettes à la vanille. J'ai pas envie de mettre sur les aiguilles aïa aïa. J'ai trop, voilà. Donc peut-être que je prendrai aussi des aiguilles chez Sandrine en 2,25 pour en avoir une deuxième paire. Et quoi d'autre? Eh ben, on va essayer de trouver aussi la petite fibre pour crocheter le petit animal là qu'elle veut, ma fille. C'est quand même... J'en ai pas mal des petits amigurumis. J'avoue que je sais... Enfin, voilà, moi, je sais plus trop quoi en faire. Mais j'avais celui-ci aussi. C'était les petits amigurumis de chez Tournicote. Elle avait sorti plusieurs bouquins de crochet comme ça. Mais je les ai pas là sous la main, donc je peux même pas vous montrer. Et voilà, de tête, ça c'était le modèle framboise. Voilà, un petit chien rigolo. Et bon, ça fait longtemps que j'ai pu crocheter, à part, oui, vraiment des petits trucs là. Bah, faut remarquer, oui, si. Des amigurumis pour la grande, en fonction de ses... en fonction de ses passions pour certains mangas, je lui crochète des personnages. Mais voilà, j'ai plus... pour l'instant, plus trop envie de faire ça. Pourtant, c'est Mimi, hein, mais voilà. Ça reviendra. Parce que vraiment, quand j'en ai crocheté à foison. Hein, donc, voilà. Ça va être encore un épisode très long, alors que je ne pensais pas, mais parce que je ne sais pas m'arrêter de parler. Dites-vous que vous ne m'avez que... vous choisissez, hein, de vous infliger la bibiche. Dites-vous que ma famille vit avec... Voilà, hein, donc quand même, les pauvres, pensez à eux 5 minutes. J'ai fait ma liste de courses pour chez Sandrine, la Javol, des aiguilles. Oh, elle a reçu plein aussi de petits arrête-mailles. Je verrai ça. Oh, bon, bref, allez, on en reparle demain, je vais quand même essayer d'être raisonnable. Hein. Je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous, préparez-vous pour une petite virée dans CN. A plus !